Aujourd'hui, on est à Bâle, en Suisse. Du coup, on va essayer de kiffer du pont là qu'on voit derrière. Et après, de refaire le mythique Rocketman de Storor. De Toby. Oh, j'ai un petit peu la pression, mais franchement, ça devrait bien se passer. Allez, let's go! Bon! Ok, file! 3, 2, 1, go! Wouhou! Ils l'ont fait! Incroyable! Vas-y, on va aller les voir! Putain, trop stylé! C'était trop stylé! Oh là là! Désir! Oh mec, c'est magnifique! Il va faire le layout du pont là, ça va être magnifique! Allez, let's go! Wouhou! Là, Louis est en train de se chauffer à faire le Rocketman qui est juste ici. Bam, bam. Là-bas. Grosse pression, grosse pression, mais en vrai ça va. Genre, je sais que tu peux le faire. Mais grosse pression. Je vais y aller, mec, je vais tellement courir et je vais éclater lui. Non, vraiment. Bah, du coup, dès qu'il n'y a plus rien sur la route, je pense que ça part. Il faut que j'aille là. Parce que si j'attends trop, je vais avoir trop de pression. Allez! Allez, mon. Allez! Allez! Ça va? Ouais, j'ai un peu tourné. Ouais, mais ça va, genre tu t'es pas fait mal? Un peu, mais ça va. C'est chaud. Ça va, ouais, j'ai trop coupé. Ouais, en vrai ça va. Ouais, il fallait vraiment que tu le dégroupes. Ça se refait ou pas? Je sais pas, peut-être. Parce que là, si tu veux, je te passe mon t-shirt. Hein. Tu fais un petit plat sur Rocketman, il va le refaire. C'était ouf. Top, ah, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Là on se pose un petit peu, Louis il va reprendre ses esprits et après on revient dans genre 3 heures ou demain, mais ouais, ça va se faire. C'est bon ça, c'est très bon. Ce genre de plat. Donc là on vient de se barrer du spot parce que on a eu des suspections de sécu, machin, etc. On sait pas trop, de toute façon on a besoin de se poser et du coup on va se poser. Bon allez, à toutes. Pas prêt pour ce genre de bêtises. Nouvelle journée à Bâle. On vient de se réveiller, enfin une partie du groupe. Du coup je pense que comme on a pas mal de trucs à faire, Louis Ménoir et moi, on va aller les réveiller. Allez. Hey boys. Ah ouais, la confiance qu'ils ont, j'ai bloqué là. C'est quoi cette confiance là, genre qui va nous réveiller, genre en mode ouais vas-y j'ai la cam, du coup on peut tout faire. Je trouve en jeu, tout le jeu. Yo, alors là on est à Bâle pour le deuxième jour et du coup bah ça va partir sur le Rocketman une nouvelle fois. Et ouais, ça va être un peu compliqué parce que voilà, on a eu un petit fail, on a eu des petites frayeurs sur ce spot, mais c'est pas grave là, Louis il est déter comme jamais et je pense que ça va repartir très vite donc. Ça va être bien, ça va être très bien. Ouais, c'est profond. On a sauté, il vient de sauter du pont là, il y a du fond. Mais en gros, j'ai déjà fait le saut hier, mais j'ai trop tourné, je suis arrivé comme ça, j'ai fait un plat. Du coup, j'aimerais bien le réussir bien. Yes Louis, putain! Yes! T'es un pur monstre! Rocketman! Putain, mais Louis! Ça doit être ça, chacun! Putain, merde! Louis, putain!
Aïe aïe aïe. Bon. Yes. What do you think? Bah moi j'ai eu peur, j'avais l'air. Oui, c'était flippant hein, mais il l'a déjà fait hier, il l'a un peu raté, il a un peu trop tourné et là du coup il a dit ouais, je vais revenir une nouvelle fois. C'est vraiment un monstre. On vient de France, ouais, on vient de Rennes. Et du coup, on fait un grand tour d'Europe et du coup, on voulait venir ici pour faire ce saut-là. Ouais. Les gars, je suis tellement heureux. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ça va, mon Louis? Ouais, mec. Alors, réaction à chaud là. J'ai pas les mots, je suis trop content, mec. Quand j'ai senti que j'allais bien atterrir dans l'eau, c'était dingue. Oh, look at me. So geil. Oh, that's so nice. Thank you. Bye, bye. Bye. Ça va Val? Ça a tapé non? Waouh! Énorme peur! Yes gros! Au moins je l'ai fait! Wow. Ça va? Oh là là! J'ai sous-estimé le second drop! Ah ouais? Ouais! Putain, du coup j'ai pas fait gaffe, j'étais trop concentré! Trop pas bien grave, mec! Pas grave. C'était déjà insane! The Rocketman. Yes, on est de retour sur le spot. Du coup hier j'ai fait le fameux Rocketman de Toby. Et là j'ai vu le chaperet qu'ils avaient fait dans la vidéo de Storor aussi. Mais ouais, au-delà de ça, donc j'aimerais bien faire le chaperet et percute d'upside dans l'eau. Normalement ça devrait le faire. Faut un petit peu regarder, faire quelques prep et puis ça va partir quoi. Alors faut savoir que Storor est même une de nos plus grosses inspirations. Genre je sais pas si ça se voit un peu dans les vidéos mais. Et ils sont venus à Bâle plusieurs fois. Leur dernière vidéo particulièrement elle nous a pas mal marqué parce que on le parcours mélangé avec le cliff et tout ça, et nous comme on adore le cliff, on adore le parcours, naturellement en venant ici on s'est dit on va quand même aller regarder ce qu'ils ont fait et pourquoi pas faire la même chose ou faire des trucs qui ressemblent. Et ouais, au-delà de refaire un peu les challenges de Storor, nous c'est plutôt un hommage parce que on adore ce qu'ils font, on les regarde depuis des années et se dire que on se croit au même socio, ça nous fait vraiment plaisir et c'est pour leur rendre hommage. Parfait. Yes, oui. Là, on est passé devant un terrain où il y avait des piles et des piles de conteneurs. On sait pas vraiment ce qu'on va faire dessus, mais on va aller voir.